Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 22 octobre 2021, 11h29, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même. Si ça va mal, puis ça va mal, pas dans le sens où on pense que ça va mal, tu sais, parce que dans le fond, comme ça va jamais à notre façon, puis c'est jamais parfait la vie, ça, on pourrait dire que ça va toujours mal, tu sais, mais quand on met ça de côté, cet aspect-là qui fait que ça ne va jamais comme on veut, donc ça va toujours mal. Il y a des choses plus importantes que ça. Il est en train de s'installer un système incroyable, un système de contrôle total du citoyen, un système de, comment dire, d'encadrement total aussi. On veut que vous soyez le citoyen modèle. Puis on y est arrivé à cette possibilité-là pour les dirigeants. Et je m'explique. Avec l'Internet qui est partout maintenant, on veut l'amener dans les champs les plus repoussés. Avec la 5G qui s'implante partout parce qu'on a besoin du côté de la, de la classe dirigeante de la 5G pour installer le programme mondial du contrôle du citoyen parfait et de tout le reste, la biométrie. On pourrait même remonter à certaines Écritures Saintes où on nous parlait du chiffre de la bête hein, pour. Euh, le début, les signes de l'Apocalypse. Et ils avaient vu juste dans un sens, pas vraiment dans l'utilisation ou l'outil qu'on utiliserait parce que c'était lointain. Hein, mais quand tu regardes ça, on a pensé souvent que oh, ce serait le code barre, que le code barre c'était satanique. Non, ça c'est rien, c'est juste pour faciliter le travail des caissiers et des caissières. Mais et ça ne pouvait pas être utilisé pour d'autres fins que ça, on est arrivé vraiment maintenant à ce fameux ou à cette référence qu'on peut faire, hein, une analogie avec le, 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 le chiffre de la bête 666, que si tu n'étais pas euh, marqué le chiffre de la bête, tu ne pourrais pas fonctionner, tu ne pourrais pas consommer, tu ne pourrais pas acheter. On parle ici du QR code, le code QR. Hein, C'est apparu comme ça en pleine pleine pandémie et c'est on a sauté là-dessus c'était l'outil dont on avait besoin avec naturellement euh, le support de la 5G parce que sinon c'est impossible la rapidité de ça c'est fantastique le QR code tous les gouvernements ont sauté là-dessus le passeport euh, sanitaire hein, euh, est utilisé euh, utilise le QR code et tout le reste. Maintenant, tout s'en va vers le code QR. Et c'est fascinant, mais c'est aussi épeurant et, euh, je vous avouerai, sur, surréaliste, tellement c'est arrivé vite et ça nous a pris par surprise. Mais là, si tu ne l'as pas, ton QR code, tu ne peux pas aller manger, tu ne peux pas aller t'entraîner, te, tu ne peux rien faire. Puis naturellement, ce QR code-là est utilisé par les gouvernements maintenant pour la pandémie. Hein, on vous donne l'excuse, c'est pour une question de hein, sécurité nationale, de santé euh, nationale, ça pourrait être utilisé après ça pour autre chose, parce qu'on l'a accepté, les gens ont sauté là-dessus, dans leur euh, besoin, puis leur égocentricité, leur égoïsme, de, de continuer à aller, vouloir aller au restaurant, au gym, au cinéma, alors qu'un geste qui aurait pu être posé, c'est le refus total des citoyens de ce passeport-là. L'acceptation de la vaccination, si tu veux, moi je vois aucun problème avec ça. Je suis anti-vaccin du tout. C'est une question de choix. Les vaccins ont fait la preuve de leur efficacité dans beaucoup de domaines, hein, de la santé publique. Mais euh, ça demande toujours un choix euh, personnel et privé. Là, on en a fait une obligation si tu veux fonctionner normalement dans la société dans laquelle tu vis. Et euh, ça pourrait être utilisé pour autre chose après. Si ce n'était pas du bon côté de la clôture, ce n'était pas du bon côté de la pensée, ce n'était pas du bon côté de ceci, cela, ben, tu pourras, avec ce QR code-là, qui est l'outil finalement qui va être utilisé pour toutes les euh, années à venir, puis les outils, puis les penchants que nos gouvernements auront. C'est arrivé vite, ça nous a pris par surprise, ça y est, on l'a. Et là, on s'en va vraiment dans la biométrie à fond la caisse. Oubliez la Chine, c'est toutes des histoires pour faire peur au monde, pour démoniser. C'est des gens qui, qui sont là, souvent de la droite, hein, qui veulent te démoniser. La Chine, oh, c'est le modèle communiste, si on est tellement bien, on est tellement bien. Euh, je peux te dire une chose, quand les républicains étaient au pouvoir avec Donald Trump, ils n'ont absolument rien fait pour protéger la liberté d'expression, le droit de parole sur les plateformes. Ils n'ont pas sanctionné Facebook, ils n'ont pas... Sanctionner YouTube, ils n'ont pas sanctionné Twitter, ils n'ont sanctionné personne. Parce que tout ce mot bon monde-là n'ont rien à foutre parce qu'ils sont tous. Hein, puis ils ont tous des gros, gros euh, cadeaux de ces grandes euh, plateformes-là. Ils n'ont rien fait. Puis il n'y en a pas un qui va faire quoi que ce soit. Parce que c'est des entreprises privées aussi qui font ce qu'ils veulent. ce qu'elles veulent. C'est leur choix, c'est leur droit. C'est à toi de ne pas être là dessus. Tu peux aller ailleurs comme tu peux être nulle part aussi. Mais, au-delà de ça, oubliez les plateformes, parce que ça, c'est une entreprise, c'est un produit que tu utilises ou que tu n'utilises pas. Donc, tu es libre de l'utiliser ou pas. Mon point est le suivant. L'Internet, maintenant, est utilisé par toutes les entreprises, toutes les banques, toutes les écoles, tous les organismes gouvernementaux, tous les gouvernements, sans compter tous les commerces, naturellement. Et que bientôt, si tu veux un service, puis que tu t'es pas branché sur Internet, ben, je vais te dire une chose, ça va être très complexe pour pour toi d'avoir ce service-là. Peut-être que tu seras laissé de côté. Donc tout sera là-dessus. Sans compter que l'argent liquide va disparaître, on va t'amener l'argent numérique. Toutes les banques centrales sont en train d'établir et puis de penser à ce système-là. Donc on saura exactement combien tu as d'argent, combien tu dépenses, où tu dépenses, puis où s'en va toute ton, ta, ta, ta maigre pitance. Et même le gouvernement Logo, ici au Québec, s'en va pour pousser la 5G, puis l'Internet dans les champs, puis les rangs les plus poussés, parce que il veut amener même les consultations médicales mineures, ou en tout cas les plus ordinaires, à être toutes faites en virtuel. On a vu que, je ne sais pas c'est quoi déjà l'entreprise, Zoom, je pense qui a connu un boom incroyable pendant la pandémie, qui a vu une éclosion de son utilisation. Tout le monde est sur Zoom, 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 Zoom. Zoom. Et même l'école, quand elle était euh, interdite hein, en présentiel, ben ça se faisait sur Zoom. Pour la plupart des, des, euh, des écoles, on utilisait Zoom. Puis pour les étudiants, il fallait que tu sois branché, puis il fallait que tu aies un ordinateur, sinon... Qu'est-ce qui arrivait avec toi? Tu ne pouvais pas aller à l'école. Comprends-tu? Donc, on est rendu là dans ce monde-là où on nous a poussé, 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 Puis nous, on a contribué à ça. On voulait tout notre petit téléphone, on voulait tout notre petit Internet, notre petit univers, notre tablette, notre portable. Et ça a amené tout ce monde-là à être convaincu que c'est ça que vous vouliez, puis vous êtes content. Puis là, vous êtes piégé maintenant. On est tous piégés, tu ne peux pas revenir en arrière, à moins qu'on abandonne tout le monde ensemble, nos portables. Puis l'Internet, puis nos, nos ordinateurs, puis nos tablettes. Demain matin, on, on abandonne tout ça, puis tout ce beau monde-là va être obligé de revenir à un système traditionnel. Mais ça n'arrivera pas parce qu'il n'y a personne qui a le courage et qui a les couilles de faire ça. Vous êtes tout accro avec euh, votre téléphone, votre portable, puis ainsi de suite. Donc là, on s'en va de plus en plus vers la biométrie. Et c'est fascinant, je vous ai trouvé quelque chose pour le QR code, je n'ai pas besoin de vous convaincre, là, c'est. Utiliser pour le passeport hein? euh, vaccinal, puis le passeport sanitaire. Imagine le reste quand tu ne seras pas du bon côté de l'histoire, puis du bon côté du discours, puis du bon côté de l'idée qu'on a d'un citoyen parfait. Je peux te dire une chose, il n'y a pas grand-chose que tu pourras faire à part partir de chez vous, aller travailler, revenir. Il y a même des villes en, en, en Allemagne maintenant qui interdisent même l'accès aux clients. Dans les magasins, ou même euh, maintenant dans la plupart de nos pays, même si tu n'es pas vacciné, tu peux rentrer pour aller faire ton épicerie, mais euh, magasiner euh, pour des vêtements ou quoi que ce soit. À certaines villes d'Allemagne, cette semaine, on a obligatoirement instauré le passeport euh, sanitaire pour aller faire l'épicerie ou quelque achat que ce soit. Donc, tu reviens, là on te ramène à la case départ de l'esclavagisme, où tu n'as plus de liberté parce qu'on a décidé comme ça que tu n'en aurais plus parce que tu défies l'autorité. On n'aime pas être défié du côté de l'autorité. On a décidé quelque chose avec des fois on pourrait dire de la pseudoscience parce qu'il y avait vraiment beaucoup de confusion autour de cette question-là, de, de cette maladie. On a décidé que ça se passerait comme ça, puis qu'il faudrait que tu aies deux vaccins, bientôt trois, puis après ça, ce sera quatre, puis cinq, puis six, puis sept, puis huit, puis neuf, peut-être. On a décidé que c'était ça qu'on établissait. Et que tu ne peux pas t'opposer à la volonté de tes maîtres, à la volonté des dirigeants. Si tu t'opposes, tu auras ça comme conséquence. Tu ne peux plus sortir. Donc, tu reviens à la case départ de l'esclavagisme, de il y a 200 ans, 300 ans, en Amérique, où tu étais dans des champs, où tu étais un peu partout, puis tu étais au service de tes maîtres, tu allais travailler, puis tu revenais le soir, puis tu mangeais, puis tu te couchais, puis le lendemain, tu recommençais. Puis si tu peux plus, puis ça, ça ne m'étonnerait pas que ça vienne dans toutes les villes des pays euh, occidentaux, l'interdiction de rentrer, si tu n'as pas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Vaccin, ben, tu vas être pris chez vous. Puis tu vas être pris à faire ton épicerie en ligne, acheter tout en ligne parce que tu ne pourras plus sortir de chez vous. C'est complètement, comme disent les Anglais, out of this world. C'est surréaliste, mais c'est dans ça qu'on est. Puis là, j'ai trouvé un petit article pour vous fascinant, intéressant. Ça vient de. Ça vient de. Je vais essayer de le retrouver. CNBC. L'entrepreneur de la Silicon Valley, Sam Altman, veut scanner vos yeux en échange d'une crypto-monnaie gratuite. C'est publié hier à, à 21h à peu près. WorldCoin, la nouvelle startup du millionnaire technologique Sam Altman, utilise des appareils en forme d'orbe pour scanner les yeux des gens en échange d'une crypto-monnaie gratuite. La société a déjà accumulé plus de 100 000 utilisateurs dans le monde à ce jour et vise à franchir le cap du milliard d'utilisateurs d'ici 2023. Le PDG de Worldcoin, Alex Blagnan, a laissé entendre que Worldcoin pourrait un jour être utilisé comme infrastructure pour un revenu de base universel. Voyez-vous ici là Un revenu de base universel. Donc on va vous on va vous Courtiser les gouvernements, c'est ça qu'on est en train de préparer. Vont vous courtiser déjà eux autres ils se préparent le PDG de Worldcoin pour un revenu. On en parle beaucoup dans hein, de base universelle à donner aux gens de certains niveaux de revenus j'imagine. Et que pour avoir accès à ton revenu de base universelle, il ben, faudra que naturellement on, on te reconnaisse puis on pourrait utiliser son scanner. Hein, comme on le dit ici, comme infrastructure. C'est sûr qu'on va vous introduire ça. La biométrie, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est déjà en, en, ça prenait la 5G, ça aussi. C'est déjà en cours de préparation très avancée dans, en Inde où il y a déjà plusieurs villes où on a l'obligation d'avoir un, un système biométrique pour avoir des services gouvernementaux, de l'aide, j'imagine des des rentes, des pensions ou de l'aide sociale. Euh, l'obligation de fournir son ADN, les empreintes digitales et l'empreinte de l'iris des yeux. C'est ça qu'on est en train de nous dire ici dans l'article d'hier du CNBC. On n'est pas là dans les fake news, on n'est pas dans des euh, sites conspirationnistes. CNBC, ça c'est la c'est la branche économique de NBC aux États-Unis. Cela ressemble à quelque chose d'un film de science-fiction des orbes métalliques qui scannent les yeux des gens pour les payer en monnaie numérique. C'est sur quoi l'investisseur technologique Sam Altman a travaillé pour sa nouvelle startup, une société appelée Worldcoin lancée par furtivité jeudi. Worldcoin promet de distribuer gratuitement des crypto-monnaies aux personnes qui vérifient leur compte en effectuant un scan de l'iris. Worldcoin dit qu'il a déjà attiré 2, euh, 25 millions de dollars de financement d'investisseurs de la Silicon Valley, dont Andres, Anderson Horowitz de Coinbase et le fondateur milliardaire de LinkedIn, Reid Hoffman donnant à l'entreprise une valorisation d'un un milliard de dollars, pardon. Donc préparez-vous. On est avec le QR code, on est avec ça maintenant. On le voit comment c'est utilisé. C'est juste une question de temps. Les fascistes Adolf Hitler, ça fait pas longtemps qu'il est, qu est passé sur Terre, là, lui, puis tous les autres franco et compagnie. Si tu penses que n'en as pas en ce moment des Hitler puis des franco au, à la tête des gouvernements, je sais pas dans quelle dimension tu vis, là, mais tu es vraiment naïf. Puis c'est facile de devenir un franco, puis de devenir un Mussolini. Puis ça peut se faire très vite. C'est un outil qui est très épeurant, tout ça. Et le QR code, ben on l'a trouvé, c'est ça le chiffre de la bête. Wow, je vous reviens.